Bonsoir. Le 22 août 2016, la Cameco traîne une dette de plus de 35 milliards de francs CFA avec une subvention mensuelle d'équilibre évaluée à 1,5 milliard de nos francs. Entre-temps, quatre directeurs généraux se sont déjà succédés à la tête de la compagnie nationale aérienne depuis sa création 5 ans plus tôt. Pire encore, les avions de la société sont régulièrement saisis lorsqu'ils ne sont pas cloués au sol pour des questions de maintenance, entre autres. Du coin de l'œil, les dirigeants sont soupçonnés de toutes les manigances possibles et les contrôles des autorités judiciaires laissent entrevoir des failles dans la gestion quotidienne. Face à ce tableau, le 22 août donc, Paul Biya décide de relancer la compagnie avec à la clé la nomination d'un nouvel équipage. Jeune et ambitieux, à 49 ans seulement en 2016, le nouveau commandant de bord présente 6 mois après sa nomination son plan de relance. Ernest Dikoum rêve grand. Restructurer, assainir le fichier solde et améliorer le cadre et les conditions de travail, acquérir de nouveaux aéronefs et étendre le réseau des dessertes, maîtriser les charges de fonctionnement, pour dire le moins. Mission quasi impossible à l'époque où la compagnie ne compte qu'un avion pour lequel le déficit de rentabilité est inquiétant. 22 mois plus tard, ce soir donc, après sa nomination, on peut dire que Ernest Dikoum, peut-on dire, c'est la question, que Ernest Dikoum suit véritablement le cap de la relance. Pardon. Autrement, la compagnie nationale se porte-t-elle mieux? Ernest Dikoum est l'invité de ce soir. Il est déjà installé dans le mythique fauteuil rouge. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Tongo. Alors, je dois le dire pour le confesser et pour l'avouer. Si je m'en tenais à votre présence ce soir, je peux dire que vous êtes un homme de parole. Il me souvient que lors de notre première rencontre, au cours d'un déjeuner de presse, nous avons sollicité votre présence dans ce fauteuil. C'était 1 ou 2 mois après votre arrivée. Vous nous avez dit « je viendrai » et vous êtes là ce soir. Merci pour cet honneur. Merci de m'avoir invité. L'honneur est partagé. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour rappeler que ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a environ 5 ans, STV nous avait fait l'honneur de publier un reportage sur ce qui était peut-être appelé ou considéré à l'époque les succès de la diaspora. Et donc, je pense que ce n'est que la bonne maison. Et merci pour l'intérêt qui est porté à la carrière professionnelle et surtout à la mission que la très haute hiérarchie a bien voulu nous confier. Et je vois que vous vous sentez chez vous et je suis plus heureux que cela. Merci beaucoup. Cela dit, on commence par la question certainement la plus simple. Comment se porte la Cameco 22 mois après votre arrivée, presque? Alors, pour éviter de faire des comparaisons qui vont nous mener à ce que nos prédécesseurs ont peut-être fait. Je pense que la tâche est très difficile, la tâche est très complexe dans un environnement plus que complexe. Alors, je dirais que je ne suis pas tellement habitué à faire des comparaisons. Je peux seulement profiter de ce moment qui m'est donné pour pouvoir vous indiquer ou alors vous donner quelques indicateurs du travail qui est fait. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, je me suis réservé de parler parce que nous n'avions pas encore assez d'éléments pour pouvoir donner aux Camerounais ce qu'ils méritent. La gestion de la Cameco, comme vous le savez, c'est la 11e région du pays. Comme nos forces armées, nous nous battons tous les jours pour porter très haut le drapeau du pays. Quand cet avion décolle, le premier souci, c'est qu'il faudrait que cet avion atterrisse. Donc je vais me réjouir aujourd'hui de pouvoir rappeler à tout le monde que depuis plus de 7 ans, nous rendons grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu un incident lorsque les gens voyagent. Au-delà de toute la passion, au-delà de tout ce qui engage les gens, au-delà de tous les commentaires, la priorité de tous les jours, c'est de se rassurer que cet avion qui décolle atterrit dans les bonnes conditions. Donc je voudrais ici saisir l'occasion pour non seulement dire merci à mes tutelles, la tutelle financière et la tutelle technique, à la haute directive de la très haute hiérarchie par rapport à cette mission,
mais aussi à mes collaborateurs qui, tous les jours, ne cessent de travailler avec ardeur pour que cette mission soit réussie. Donc, à quel niveau la Camerco se porte, je pense que les clients peuvent le témoigner. Je vais peut-être poser la question autrement, ou peut-être la reformuler. Où se situe aujourd'hui la mise en œuvre du plan de relance, plusieurs fois annoncé et finalement mise en œuvre? Merci. Alors, pour ce qui est du plan de relance, parce que le plan de relance, dès le départ, avait des axes. Vous les avez cités tout à l'heure. Il y avait des axes qui allaient dans le sens de la gouvernance, de l'assainissement. Je pourrais peut-être vous donner quelques indicateurs. Lorsque nous arrivions à la tête de Camerco, nous étions environ 814 employés. Aujourd'hui, on est autour de 570. Au niveau des axes de gouvernance, je pense que nous avons trouvé, nous avons mis en place un système qui permet aujourd'hui une certaine traçabilité. Les employés de Camerco n'ont plus accès à l'argent qui passe pour entrer dans les fonds, parce que c'est les fonds de l'État. Nous avons mis un système où toutes les caisses de Camerco sont gérées par les banques, centralisées, et nous pouvons à temps réel savoir ce que nous avons fait tous les jours, à travers tous les réseaux, les plateformes. Il y a beaucoup d'exemples. Au niveau, par exemple, de la réduction des charges, nous avons aujourd'hui une performance qui se chiffre en milliards en termes de réduction des charges. Déjà, nous sommes partis d'un bail et nous avons retrouvé le siège à Bonadio. Ce n'était pas facile. On a préféré faire comme tous les Camerounais, donc se retrouver dans un chantier et évoluer progressivement pour se sentir confortable. Je me réjouis ici de dire qu'au début, j'ai des collaborateurs qui occupaient les salles de réunion. Aujourd'hui, la plupart, je dirais peut-être tous ceux qui sont sur le site de Bonadio, occupent des bureaux climatisés et tout le reste de l'esthétique, on va le faire par la suite. Le déficit d'exploitation qui se chiffrait environ à 1,5 milliard tous les mois, ou plus d'un milliard et demi, est sous contrôle. Nous avons encore des difficultés, nous ne sommes pas encore sortis du tunnel, mais je vous garantis que nous sommes capables aujourd'hui d'absorber une partie de nos charges, même si l'État continue d'une certaine manière à nous encadrer. Ce déficit est de combien aujourd'hui? Nous avons les statistiques où il y a des mois où le déficit, si on le regarde en évaluation très simple, où le déficit peut peut-être être de 60 millions, de 70 millions et parfois même de 39 millions. Donc, nous allons progressivement vers la sortie d'une situation qui était extrêmement critique. Parce qu'évidemment, en revenus, nous produisons beaucoup plus de revenus en ce moment. Donc on arrive progressivement à être autonome. On a toujours le poids de la dette qui pèse, mais je pense que le gouvernement a pris des engagements et tout indique que ces engagements seront respectés. Alors, pour essayer de structurer un peu notre échange, on va dans un premier temps aborder la situation de la flotte, progressivement les questions de commerce et de finance, les dessertes et pourquoi pas le personnel. Alors, avant votre arrivée, on avait un avion qu'on a baptisé le Dja, le 767, si ma référence est exacte, qui aujourd'hui se trouve en bout de piste à Addis Abeba. Qu'en est-il exactement de cet avion? Autrement, quand nous revient-il? Ok, premièrement, je voudrais peut-être préciser quelque chose. L'appareil ne se retrouve pas en bout de piste. Il est à Addis Abeba depuis quelques mois dans un processus de maintenance. Okay. Donc, nous avons trois aspects. Nous avons la remise à niveau des moteurs qui appartiennent à Camerco, donc qui appartiennent à cet avion. Nous avons la check-C, donc c'est la grande visite. Et nous avons aussi la possibilité, si les moyens le permettent, de refaire le produit intérieur de cet avion. C'était un choix que la direction générale avait fait et proposé aux tutelles de conserver cet équipement
parce qu'il a une valeur encore très importante. C'est un avion qui n'a volé qu'environ à 15% de son potentiel. Donc il est important que l'État puisse avoir la bonne information et nous avons donc pris les dispositions nécessaires pour pouvoir enlever l'avion de la plateforme de Douala qui n'est pas la bonne en termes de l'environnement climatique pour garder les avions. Donc actuellement, les documents qui étaient attendus du groupe Boeing ont été reçus et les Éthiopiens sont en train de faire, dans le cadre de notre collaboration technique, de pouvoir nous apporter les solutions nécessaires. Et je pense que tous ces éléments sont disponibles et à la disposition de l'État. Nous pensons qu'avec les moyens qui seront débloqués, cet avion devrait revenir dans la flotte très prochainement. Et ça demande combien? Peut-être pas. Pardon? Ça demande combien, son rafraîchissement? Le rafraîchissement est peut-être le moins compliqué, parce D'accord. que ce n'est pas parce que l'avion, le produit intérieur n'est pas changé que l'avion ne pourra pas fonctionner. Je pense qu'il y a un marché important pour cet équipement, même en état, mais je pense qu'il faut qu'on aille progressivement. Je ne voudrais pas faire des promesses. D'accord. Les Camerounais attachent une importance particulière par rapport à ces biens et je pense que nous sommes garants de nous rassurer que tout se passe dans les bonnes conditions. Donc, je vais peut-être me réserver de pouvoir faire des annonces en plateau de télévision par rapport à... Je vous l'accorde. Merci. Et je ne décompte pas encore les jokers. Non, je ne le fais pas encore. Ah d'accord. On a du temps. Ok. Alors, cela dit, à un moment donné, il nous est revenu que les moteurs de cet avion étaient loués. Vous dites aujourd'hui que les moteurs sont la propriété du Cameroun, de Camerco. Non, juste une précision. D'accord. Il y a... les moteurs qui sont actuellement accrochés sur cet avion sont des moteurs qui sont loués D'accord. à deux prestataires différents. C'est une situation que nous avons trouvée pendant que les moteurs qui appartiennent à Camerco ont été déposés en révision. Et cette révision n'a pas encore été faite. Donc en attendant, il est normal, c'est les pratiques normales de l'industrie. Lorsque vous avez un problème technique avec les moteurs, vous pouvez les déposer, vous passez en location en attendant que ce travail soit fait. J'ose croire qu'à cause peut-être des difficultés financières, le chronogramme qui était établi par mes prédécesseurs n'a peut-être pas été suivi. C'est vraiment pas dramatique. Il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ce problème, comme dans tous les autres débats. Mais je pense que l'État a des biens. Ce qui nous engage, c'est se rassurer que nous disons la vérité à l'État et que nous les orientons vers des solutions qui sont beaucoup plus pérennes pour notre économie. Je voudrais vous féliciter pour l'arrivée d'un nouvel aéronef, le Q400, que vous avez d'ailleurs récemment présenté au public. Mais cet aéronef arrive quand même dans un environnement, j'ai failli dire un peu polémique, notamment vis-à-vis du conseil d'administration de la Camerco, qui semble pas avoir été peut-être associé à la prise ou alors à ce choix de location de cet avion. Non, je pense que c'est une interprétation. Il est très important en tant que responsable d'une société d'État et l'une des sociétés les plus sensibles de pouvoir considérer les débats qui peuvent se tenir en conseil d'administration comme des débats qui sont constructifs par rapport à ce que nous traversons comme période, comme étape. Nous sommes dans un environnement qui est évidemment très technique. La procédure, pour faire une procédure d'acquisition d'un bien, il y a un canevas. Et ce canevas, c'est évidemment les accords que nous obtenons du conseil d'administration, le processus au niveau de la validation du BINMAP, et par la suite, l'exécution de ce projet. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation où nous sommes en charge d'un projet et qu'on ne puisse pas avoir la capacité d'avoir les outils pour pouvoir gérer ces projets. Je sais, il est normal, le côté aviation a toujours créé beaucoup de sensations dans notre pays, mais je voudrais vous rassurer que l'État a tous les moyens pour pouvoir faire les vérifications. Aujourd'hui, dans l'industrie, nous ne sommes plus il y a peut-être 30 ans. Je pense que même sur Internet, on peut faire les vérifications nécessaires et tout. Donc,
Vraiment, je ne vais pas me permettre ici de dire à quelle étape, à quel moment, ce qui se passe dans notre conseil d'administration. Je voulais juste vous rassurer qu'à date, la documentation nécessaire pour l'entrée en service de cet équipement, les documents nécessaires sont obtenus et nous continuons avec la partie opérationnelle de l'équipement. Je me réjouis cependant de préciser que lorsqu'il y a un projet, il faudrait que certains puissent avoir la bonne information. C'est la première fois au Cameroun que nous soyons opérateurs des avions bombardiers. Ça n'a jamais été le cas, même à l'époque de Camer. Camer a opéré un appareil bombardier ou des appareils bombardiers en wet lease, mais en dry lease, c'est la première fois. Donc il y a un processus de qualification qui doit être géré, validé par l'autorité aéronautique. Donc c'est une expertise en plus que les employés de Camerco viennent de mettre en exergue depuis l'entrée en service de cet équipement. Alors, le statut donc réel de la transaction dans ce cas, c'est lequel ? Location, location-vente, achat pour le Q400 ? Alors, vous allez me permettre de repartir un peu sur le fil conducteur de ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. C'est le plan de relance validé par le chef de l'État et que nous avons trouvé. Je suis arrivé en août, j'ai trouvé qu'il y a un plan de relance qui a été structuré par le groupe Boeing. Nous avons travaillé, on a eu l'autorisation de la tutelle technique et du conseil pour pouvoir revoir un peu ce qui a été fait. Ce travail a été fait et il a été présenté à Yaoundé, je crois, en mars 2017. Donc ce plan intègre l'utilisation de trois types d'avions, les avions Boeing, les avions bombardiers et les avions de type MA-60. Donc l'équipement qui est entré en service cadre avec le plan de relance Boeing. Donc c'est le premier Q400 de notre flotte. Nous espérons qu'on trouvera des solutions pour en avoir d'autres. Alors, toujours dans le cadre de cet avion, c'est des experts qui parlent, hein, parlant notamment de la durée de 5 ans. Certains estiment que 5 ans en location simple limite la marge de manœuvre de la compagnie et que, par exemple, en plus, ne permet pas à court terme de mesurer l'apport réel de la transaction sur les chiffres d'affaires afin d'engager ou alors de s'engager à long terme. Alors, je pense qu'il faut... Vous savez, la durée de vie d'un avion, c'est pas seulement une dizaine d'années. Absolument. Même pas une vingtaine d'années. Absolument. Donc, tout dépend à quel moment vous prenez un appareil en leasing. Les formules qui avaient été intégrées dans le plan Boeing, pour compléter ma réponse à votre première, à votre question, les formules qui avaient été intégrées, c'était de trois types. Okay. Il y avait les avions en acquisition, les avions en leasing avec option d'achat, okay, ou alors des avions juste en leasing simple. L'option que nous avons choisie dans ce cas, c'est une location avec option d'achat. Parce que à ce moment, n'oublions pas que notre pays, la zone traverse une situation très compliquée sur le plan économique. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter par rapport au plan. Nous avons pour mandat de trouver des solutions. Nous ne sommes pas venus à la gestion, à la tête de Camerco pour être juste à recevoir de l'État. Nous devons créer la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée nous interpelle à avoir des options qui nous permettent d'être autonomes. Et à la recherche de cette autonomie, nous avons donc consulté avec l'appui du Haut Commissariat du Canada, que je profite ici vraiment de dire merci pour l'encouragement et les orientations. Ils nous ont accompagnés et introduits vers Bombardier pour trouver une solution transitoire. Ce n'est pas un avion qui est entré en service parce que M. Dikouma allait voir et tout. Je ne connais même pas les responsables de la société en question. Donc, cette orientation a été faite à travers le Haut Commissariat, le groupe Bombardier et l'introduction de cet avion en service. Maintenant, parlant des termes du contrat, nous entrons en contrat pour être utilisateurs. Lorsque les gens projettent les chiffres,
puisqu'ils ne sont pas à la tête de la compagnie pour gérer la compagnie, ils vont vous projeter les chiffres par rapport au coût de location. Mais personne ne vous dit quelque chose par rapport à ce qui est projeté en termes de rentabilité. Et si aujourd'hui, je suis utilisateur des autocars ou alors j'ai une compagnie de transport et que quelqu'un puisse, ça se fait au Cameroun, vous avez une société où il y a des autocars. Par exemple, quelqu'un peut dire, voilà, je vous donne une voiture, mais gérez vos marges et vous utilisez, vous allez me remettre. Nous avons pensé qu'un avion qui a 2 ans d'âge et qui n'a volé qu'environ 1200 heures, qui est presque tout neuf, lorsque vous le prenez en leasing, bien au contraire, c'est lorsque le leasing est à une période minimum de 5 ans à 7 ans que vous pouvez donc avoir, par exemple, des marges de profit. Je vous rappelle que, je ne sais pas si j'avais trouvé ce débat quand je suis arrivé, les deux avions 737 que nous opérons aujourd'hui, les 700 nouvelles générations, ces deux avions étaient en location pour 7 ans, sans option d'achat. Nous avons dénoué la situation et par l'aide, l'accompagnement du gouvernement et les instructions de la très haute hiérarchie, nous avons pu acquérir ces équipements. C'était sur 7 ans, sans option d'achat. Et nous avons valorisé tout ce que nous avions comme crédit auprès du loueur. Donc, je pense que cette fois-ci, non seulement nous avons mis l'option d'achat, nous avons mis la possibilité aujourd'hui que tout ce qui est en réserve de maintenance peut apporter des intérêts. Nous avons négocié un contrat et qui a été enregistré dans le cadre des conventions, de la convention de Cape Town. Donc, c'est très important qu'on puisse traiter les choses avec transparence et que si jamais les gens veulent les informations, qu'on puisse poser les questions comme vous êtes en train de le faire. Absolument, et je prends tout le plaisir. Merci. Alors, mais sur la durée, est-ce que ce n'était pas plus astucieux, d'autant plus que sur 5 ans, certains estiment le coût de location à 8 milliards de francs, un montant qui ne serait pas loin de l'achat d'un nouvel avion. On estime le coût de location à combien ? À 8 milliards. Ah, ça alors ? Si je me trompe sur le chiffre, je retire rapidement la question. Non, ce n'est pas le même donné que j'ai. Bon. Bon, mais sur le choix. Oui, écoutez, je dis encore et je répète. Poser la question de ce qui est projeté comme revenu pendant la même période. Qu'est-ce qui est projeté comme revenu ? Alors, je vais vous dire, en moyenne, minimum, nous projetons minimum entre 50 et 70 millions tous les mois de profits dégagés dans l'utilisation de cet avion. Je voudrais vous rappeler qu'il y a certaines négociations qui sont en cours qui peuvent nous permettre seulement un affrètement une fois par semaine avec les compagnies pétrolières dans la sous-région en FIFO rotation de pouvoir rentabiliser cet équipement. Ça ne pose aucun problème et c'est les équipements les plus appropriés. D'accord. Alors, si Boeing a fait une étude qui intègre ces options, ben, il faut d'abord se demander si, effectivement, pourquoi est-ce que ça crée un débat. J'ai trouvé des avions au Cameroun en location qui étaient nettement plus chers. Personne ne posait peut-être une question. Donc, allons-y voir. Vous voulez que les Camerounais volent, ces avions font le plein. Rassurez-vous, depuis, l'opinion s'interrogeait. Seul que l'opinion n'avait pas encore l'occasion d'avoir le directeur général en face. D'accord. Ce qui est le cas ce soir. Évidemment, c'est peut-être pas pour ça que je suis là. Mais je suis prêt à aborder toutes les questions que vous voulez. Vraiment, ne vous sentez pas gêné. La preuve, j'ai pas reçu une note de orientation. Donc, vraiment, c'est très ouvert. Il n'y a pas de problème. Je voudrais seulement saisir vraiment l'opportunité pour expliquer aux gens que nous sommes dans un environnement où toutes les compagnies aériennes n'achètent pas leurs avions. Que ce soit chez Emirates, chez Air France, chez Lufthansa, tous les avions ne sont pas achetés. Le système de location est d'ailleurs meilleur. Et je vais vous dire, s'il arrive un de ces 4 matins qu'on reprenne les opérations vers l'Europe, ce seraient les meilleures options parce qu'il y a plusieurs types de locations. Par exemple, lorsque vous pénétrez un marché en ACMI d'emprise, vous pouvez utiliser des avions qui sont enregistrés dans ce territoire. Aux couleurs de votre compagnie nationale, vous aurez moins de difficultés dans tout ce qui peut être blocage et tout. Donc, il faut que les Camerounais
nos compatriotes nous permettent de faire un travail et nous jugent par le résultat. Je pense que le conseil d'administration, et par rapport à la nouvelle loi de juillet 2017, est outillé. Le gouvernement a toutes les agences qui peuvent peut-être enquêter sur ce que les directeurs de société font. Il est temps que s'il y a, par exemple, des questions à se poser, mais qu'on puisse nous permettre de fournir des informations, mais tout au moins qu'on nous permette de travailler et de transporter les Camerounais. Si je vous donne déjà les indicateurs de ce que cet avion a fait comme vol, comme nombre de vols. Ce serait bien. Nous sommes à près de 170 heures, déjà depuis que cet avion est entré en service. Il est parti jusqu'à Dakar, il a fait Bangui, il a fait et tout, et dans de très bonnes conditions. Donc vraiment, le fait de partir d'un certain niveau, avoir l'avion en service, avoir quatre collaborateurs pilotes qui sont déjà en train de travailler sur machine, c'est une très bonne chose. Et on ne peut que se féliciter de cela. Et croisons les doigts, espérons que ça continue dans de bonnes conditions. Avant le Q160, on avait nos... Avant le Q400, pardon, on avait nos deux MA60. Que deviennent-ils? Ben, nous avons toujours les deux. Vous avez dit on avait. Les deux Q400 sont toujours en service. Je vous ai dit tout à l'heure que le plan Boeing intègre l'utilisation de trois types d'appareils. Les Boeing, les Q400 et les avions de type MA-60. C'est ces avions que nous volons aujourd'hui sur Bamenda, sur Bafoussam, Douala Yaoundé et peut-être bientôt Bertois. Nous les amenons aussi en Gaoundéré et tout. Et je pense que tout se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Nous avons besoin dans notre pays. J'ai l'impression que certains, ou alors ceux qui veulent vite parler, ne prennent pas le temps de poser les questions et les vraies questions aux Camerounais qui bénéficient énormément de ces efforts tous les jours. Vous vous rendez compte que nous volons actuellement environ 140 à 150 vols par semaine. Un vol, c'est décollage, atterrissage, c'est le même niveau de force qui est fourni quand un vol Air France décolle d'ici pour atterrir à Paris. Et nous faisons aujourd'hui avec le peu de moyens que nous avons, et vous allez voir que les gens qui sont par exemple au niveau du septentrion, ils sont très satisfaits de ce qui est en train d'être fait, parce que la mobilité des Camerounais, c'est une priorité, et ce brassage, nous parlons du vivre ensemble, nous ne pouvons que être un vecteur du vivre ensemble. À côté de cela, la maintenance évidemment intéresse également les Camerounais. On sait qu'à l'époque de Camer, nos avions étaient quand même maintenus, du moins la maintenance faisait ici par nos spécialistes camerounais. Dans votre plan, y a-t-il cette option qui est à nouveau envisagée? Est-ce qu'on peut rêver de voir que les avions Camerco soient à la base militaire aérienne ici à Bonapriso, soit retrouvent la maintenance camerounaise? Monsieur Tongo, je vais vous dire, vous venez de toucher là un point qui, à la limite, j'avoue, me rend extrêmement sensible. L'année dernière, Kenya Airways fêtait 40 ans dans l'aérien. Si Camer n'avait pas été fermé, on serait en train de fêter peut-être, je ne sais pas, 47 ans ou 46 ans. Le Cameroun a énormément perdu. La formation est vraiment la clé de voûte pour pouvoir permettre à ce qu'une compagnie aérienne vive. Et le retard qui est aujourd'hui accusé par la fermeture de Camer et l'ouverture de Camerco, je ne sais pas s'il sera rattrapable, mais nous travaillons tous les jours avec les pouvoirs, avec notre tutelle technique, pour essayer de rattraper ce retard. Vous avez parlé de la maintenance. Oui, les Camerounais étaient capables de faire les avions, faisaient les check-C des avions de Air France. Ce know-how a complètement disparu, parce que n'oubliez pas que dans l'aérien, par exemple, on est pilote que lorsqu'on a une licence qui est en cours. On est mécanicien, c'est des formations réglementaires qui se renouvellent et qui se maintiennent. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fermeture de Camer, ce niveau d'expertise était complètement perdu. Vous avez aujourd'hui des collaborateurs
qui sont partis à la retraite. Depuis que je suis arrivé, mis à la retraite, il y a environ 120 collaborateurs qui sont partis. Donc vous allez voir que pour rattraper cela, ce n'est pas évident. C'est-à-dire le nombre de gens, et nous n'avons pas encore remplacé ce noir. Nous allons nous efforcer progressivement, lorsqu'on aura un centre de formation, pour les faire revenir progressivement, pour transmettre. Mais nous sommes obligés vraiment de rattraper très rapidement avec, par exemple, le recrutement qui est en cours d'une vingtaine de jeunes ingénieurs et une vingtaine de pilotes. Nous espérons que le plan qui a été validé par le chef de l'État, dans sa mise en exécution, devrait, selon les axes, avoir au niveau de Douala une plateforme de référence, ce que nous appelons le MRO, une plateforme de référence pour la maintenance des avions. Ça, c'est les avions de type Boeing. Nous avons déjà progressivement, dans la collaboration avec la société AVIC pour le MA60, nous sommes en train de mettre en place un système de maintenance déjà qui prend forme. Avec les Q400, nous aurons, je pense, la semaine prochaine, la visite de Bombardier et des partenaires d'Abu Dhabi Aviation qui sont en train de considérer un accompagnement dans ce cadre-là. Pour l'instant, qu'est-ce que nous faisons? L'encadrement est géré par Ethiopian dans notre collaboration technique, mais nous avons actuellement des ingénieurs camerounais, je crois qu'ils sont 9, qui sont en Éthiopie pour pouvoir prendre la main et permettre à ce que progressivement les Éthiopiens puissent repartir. Donc voilà un peu présenter la situation de la maintenance. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure. Pardon? Pas de péril dans la demeure sur le volet maintenance. Non, pas du tout. C'est même une priorité. Parce que si, voilà. Et rappelez-vous une chose. Parmi les problèmes que Camerco a eu dès le début, c'était d'abord parce que le projet n'était pas basé sur les fondamentaux réels de l'industrie. Un projet de l'aérien doit d'abord se baser sur des secteurs, des centres de profit et non pas des centres de coûts. Lorsque vous avez des séries de centres de coûts, vous avez par exemple un équipement qui, normalement, au niveau de la maintenance, vous créez des ateliers. Vous créez par exemple l'atelier roue, l'atelier batterie, ainsi de suite. Ça devient donc non seulement pour vous en termes de vos besoins, mais vous avez aussi la possibilité de donner ces services aux compagnies tiers. Donc, à Douala aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui manquent et nous sommes en train de nous investir progressivement pour avoir ces ateliers. Nous en avons déjà deux. Alors, sortons de la flotte, parlons du personnel. Que peut-on dire de votre personnel aujourd'hui en termes d'effectifs, en termes de charges? Qu'est-ce qu'on peut dire du personnel Camerco? Aujourd'hui, vous en avez trouvé un certain nombre, il y a eu des départs. Est-ce que tout cela s'est fait selon les normes? Est-ce qu'il y a eu des, évidemment, contestations? Situation personnelle Camerco. Merci. Déjà, je l'ai toujours dit. Je pense que le niveau de technicité qui est attendu dans notre domaine demande à ce que nos collaborateurs soient traités avec respect. Nous avons trouvé une structure qui avait beaucoup de collaborateurs qui venaient par exemple de l'ex-Camer et qui avaient intégré la compagnie. Ces collaborateurs ont rempli leur mission. Nous avons eu la possibilité d'entrer dans un dialogue et respecter les règles dans le cadre de la loi du travail au Cameroun par rapport à la mise à retraite de certains collaborateurs, ce qui s'est passé dans les normes. Et nous avons donc décidé, dans le cadre de l'assainissement du fichier du personnel, d'aborder plusieurs axes pour comprendre en réalité ce qui s'est passé. On a, avec le soutien des partenaires sociaux et de notre conseil d'administration, ce projet en cours. Il est très complexe. Alors, je peux vous dire que depuis notre arrivée, je pense que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu plus de 5 à 6 personnes recrutées à Camerco. Peut-être une dizaine. Combien sont partis? Environ 200. Donc, je pense que si nous sommes restés à ce niveau, les indices sont simples. Ceux qui veulent faire des calculs peuvent le faire.
rester à ce niveau. Et à l'époque, lorsqu'on avait ce nombre de collaborateurs, on faisait un chiffre d'affaires qui est le quart de ce que nous faisons aujourd'hui. On avait le nombre de passagers à peut-être, est peut-être 6 fois ce qu'on faisait à l'époque par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous opérons mieux, nous avons une productivité qui est beaucoup plus élevée et en même temps, nous avons essayé de contenir le fichier des ressources humaines. Maintenant, on ne peut pas parler des ressources humaines sans parler de la formation. Absolument. Sans parler peut-être de leur traitement. Absolument. Je crois que nous sommes, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous nous efforçons tous les jours pour essayer de faire à ce que les employés retrouvent leur salaire à temps. Il y a des moments où on peut avoir des retards, peut-être une semaine ou deux ou plus, mais je crois que depuis un certain temps, on a essayé un peu de respecter ces engagements. Deuxièmement, par rapport à la formation, nous faisons beaucoup avec une institution locale et nous essayons de maintenir aussi sur le plan de la formation réglementaire qui coûte énormément cher. Donc nous avons un centre partenaire en France, en Éthiopie et nous pensons que le dossier du personnel est plutôt en train. Nous allons passer dans une phase qui serait la phase d'évaluation. Ou les employés avec le système d'évaluation, mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas avoir une autre priorité que dans la vie de l'entreprise que le traitement des collaborateurs. Le personnel au sol profite autant de cette formation que le personnel navigant? Oui, parce que la formation réglementaire ne se limite pas seulement à ceux qui sont personnel navigant. Il y a du personnel au sol, par exemple, les gens qui font la maintenance. Ils ont une formation réglementaire. Il y a par exemple ceux qui font la sûreté, la qualité. Donc, nous nous efforçons et actuellement, je suis membre du comité exécutif de l'Association des compagnies aériennes africaines. Actuellement, nous avons en formation à Douala depuis une semaine l'assistance de AFRA qui a envoyé un instructeur pour la formation. Nous sommes en train de refaire une autre certification IOSA. Et il faut peut-être qu'on le dise, parfois on prend certaines choses à la légère, mais il y a très peu de compagnies en Afrique qui sont certifiées IOSA. Je ne vais peut-être pas la citer la concurrence, mais il y a des compagnies qui sont très connues, qui n'ont eu que la première fois la certification IOSA il y a 6 mois. Camerco, c'est 4 ans. Nous sommes en train de passer actuellement en cours une autre certification pour 2 ans. Donc vraiment, à ce niveau, je voudrais vraiment féliciter les efforts que fournissent mes collaborateurs tous les jours. Alors sur le traitement salarial, ça va? Ces deux derniers mois, pas de tension de trésorerie? Les tensions de trésorerie, on ne peut pas... Non, écoutez, pas d'aéré. Écoutez, je pense que s'il faut demander peut-être à toutes les entreprises qui traversent une période de restructuration, je crois qu'il faut peut-être plutôt aller vers une, parlant de statistiques, si j'essaye de voir depuis environ peut-être 10 mois, je crois que les retards de salaire, Camerco ne les a pas connus pour 2 ou 3 mois, sur les 10 mois. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Nous sommes aujourd'hui outillés à apaiser parce qu'on produit assez. Et vous savez, je voudrais vous rappeler que lorsque vous gérez une compagnie aérienne et vous avez des indices où la main d'œuvre coûte plus cher que le carburant, c'est un problème. Le carburant avion devrait être la première dépense en termes de pourcentage. Et si aujourd'hui c'est mesuré selon les critères de l'industrie, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le carburant que nous utilisons est autour de 22% malgré l'augmentation. Nous sommes depuis les 2 ans, peut-être à près de 15% d'augmentation du coût du carburant, mais le coût du carburant est finalement devenu la première dépense de la compagnie et la masse salariale la deuxième. Donc c'est une tendance qu'on avait en projet de renverser et on a su le faire depuis le mois d'octobre ou novembre l'année dernière. D'accord. Cela dit, on va peut-être passer ce volet personnel pour évoquer les dessertes. Vous venez d'ouvrir la ligne sur Lagos, je crois que c'est la dernière, ouverte. Au Cameroun d'abord, commençons par là. Combien de villes, combien de localités desservez-vous désormais?
Ok, nous desservons sept dessertes à travers le Cameroun, sept régions. D'accord. Le plan qui a été retenu, normalement, indiquait qu'on devrait desservir 8. Donc, il nous reste la desserte de Bertois. Donc, pour le moment, nous desservons Bafoussam, Bamenda, Douala Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Maroua. Donc, en ce moment. De façon régulière. De façon régulière. Des vols nous quotidiens, opérons... des vols... Oui, entre Douala et Yaoundé, en moyenne, nous opérons 3 à 4 vols par jour. Nous opérons 4 vols sur Bafoussam, 4 vols sur Bamenda. Nous opérons... nous sommes en train de passer en quotidien sur Garoua, progressivement. Et Maroua devrait passer à 4 vols. Ngaoundéré aussi. Nous avons... il faut aussi dire que... Il ne faut pas oublier que N'Djamena, en fait, c'est la pénétrance de l'extrême nord. Extrême nord. Donc, ceux qui vont du côté de Kousséri, généralement, vont sur N'Djamena. Et donc, c'est très important qu'on puisse desservir. N'Djamena aussi passe à 4 vols par semaine. Alors, ce qu'il faut au niveau domestique, déjà, c'est progressivement, au fur et à mesure que nous avons des avions plus adaptés, par rapport à la demande, parce que faire 4 vols sur une ville ne veut pas dire que si ce taux de remplissage devrait être étalé sur une semaine, les modules d'avions doivent changer. Absolument. C'est la raison pour laquelle les avions de type Q400 sont normalement un peu plus adaptés vers certaines destinations. Les avions de type MA60, si jamais tout se passe bien et que nous avons assez d'équipage, nous comptons relier certaines villes, par exemple, faire des vols sur Ngaoundéré, Garoua, Maroua en up and down. Et au-delà du Cameroun, les autres dessertes? Au-delà du Cameroun, la dessert de Lagos qui a démarré le 23 juin est la septième. Donc nous avons réouvert Libreville le 27 octobre. Je voudrais peut-être ici rappeler qu'à un certain moment, on était obligé de tout arrêter pratiquement à l'extérieur. D'abord mettre une priorité sur le Cameroun, ce qui avait été appelé le Cameroun d'abord. Et ça nous permettait vraiment de maîtriser au niveau des opérations progressivement et évoluer selon la disponibilité des équipements. Donc cela étant fait, nous avons repris donc avec la réouverture de Libreville le 27 octobre 2017. Après, en novembre, c'était Bangui. Et en décembre, nous avons recommencé avec l'Abidjan et on a fait l'extension de ce vol sur Dakar. Cotonou fonctionnait déjà et N'Djamena. Donc maintenant, nous avons fait la réouverture de Lagos et nous continuons selon le plan. On devrait desservir trois villes du Nigeria et aussi une possibilité d'extension de notre réseau vers Bamako. Mais il est important de retenir que cela doit se faire de manière graduelle. Absolument. Parce que c'est ce qui nous permet au fur et à mesure, lorsqu'on regarde aujourd'hui le pourcentage de revenus de ce qui est régional par rapport au domestique, si on restait dans le domestique aujourd'hui, on ne serait pas capable de supporter nos charges. Parce que la maintenance, les contrats de maintenance des avions qu'on n'avait pas avant et que nous avons aujourd'hui, donc ce que nous appelons la maintenance préventive, les contrats de maintenance nous permettent une meilleure autonomie d'utilisation des équipements. Et donc, ça nous permet, mais ça a des charges. Il faut donc qu'on puisse compenser pour absorber ces coûts. Justement, en termes de rentabilité, en termes de coûts, il n'en demeure pas moins que la desserte sur Dakar est souvent revenue dans le questionnement. Pourquoi Dakar en termes de rentabilité, en termes de performance? Oui, mais M. Tongo, on n'a pas un vol sur Dakar au départ du Cameroun. Je crois qu'il y a une incompréhension incroyable. Mais je profite même pour vous dire, j'ai appris que certaines personnes prennent le plaisir d'indiquer que Dakar a ouvert parce que ma famille vivrait au Sénégal. J'ai vécu 30 ans à l'étranger. J'étais au Cameroun en moyenne les 15 dernières années, en moyenne 10 fois. Et il n'y avait pas, je ne voyageais pas avec Camerco. Et je pense que depuis que Camerco a réouvert, ça fait 6 mois, je suis allé à Dakar 2 fois.
Et la deuxième fois, j'ai acheté un billet d'avion sur Air Côte d'Ivoire, parce que Cameco ne voulait pas ce jour-là. Et alors, je vais peut-être éviter pour rester sur ce qui est constructif. Absolument. Je vais vous dire, Monsieur Tongo, Dakar a été ouvert 3 ans avant mon arrivée, avec des bureaux. D'abord, il y avait les employés de Cameco à l'ambassade du Cameroun. Et après, il y a eu des bureaux. En termes de charges, je n'ai pas loué des bureaux à Dakar. J'ai trouvé que Cameco avait déjà des bureaux. Et il faut que les gens comprennent qu'il y a des dessertes qui sont en phase de développement. Le plan Boeing a retenu Dakar comme un point de chute avant la traversée de l'Atlantique vers Washington. Et ce plan est cohérent. Il est très important parce que, si vous n'êtes pas au courant, South African Airways faisait Dakar-Washington tous les jours. Et en ligne directe. Donc, ils se sont retirés. Actuellement, je crois qu'ils ont peut-être 3 vols par semaine. Et à la limite, il y a eu trop de débats et de négociations pour que cette ligne soit maintenue. Dakar est une ville importante. Donc, dans le réseau, ce que Boeing avait prévu, c'est de faire un système d'accordéon vers Dakar et ensuite la traversée. Donc l'ouverture de la ligne de Dakar est en... Je vous donne un exemple. Il y a seulement quelques jours, la moyenne des passagers que nous avons sur Dakar, c'est 80 passagers, c'est 70 passagers. Lorsque j'ai 70 passagers ou 40 passagers sur Dakar, c'est peut-être 2 vols aller-retour ou 3 vols en termes de revenus sur Garoua ou Maroua. Vous comprenez? Absolument. Et puis il faut aussi qu'on fasse une différence entre un vol direct et un vol en séquence. Un vol en séquence voudrait dire, dans le plan Boeing, le trafic qui va vers Dakar, cet avion dort à Libreville. À l'heure où je vous parle, j'ai l'équipage à Libreville, j'ai un avion qui dort à Libreville, c'est un peu la base arrière aujourd'hui. Donc il y a un avion qui dort à Libreville, qui part de Libreville le matin, sans rupture de charge, jusqu'à Dakar. Donc quand cet avion part de Libreville, il arrive à Douala peut-être avec 70 passagers pour Douala, d'autres en continuation. Donc il vend le Douala, Abidjan et Dakar. Et puis vous transportez ceux qui viennent de Yaoundé, vous avez ceux qui viennent de Douala. C'est un vol en séquence. Lorsqu'on fait la somme de cette ligne, mais on trouve que c'est extrêmement encourageant. Vous ne pouvez pas faire une ligne Douala-Dakar. Déjà, je vous rappelle que Douala-Dakar, c'est minimum 4 heures de vol, en vol direct. Le vol inaugural, lorsqu'on a fait le Dakar en vol inaugural, le vol est parti de Yaoundé, c'était 4h30. Donc, c'est pratiquement énorme. Comme c'est énorme. Donc, c'est pour ça que le plan a été élaboré pour que ce vol soit fait en séquence. Oui. Ça veut dire que vous tirez le trafic et vous le faites en séquence. Et je vous dis, ça se passe pas mal. Alors, pour une compagnie aérienne, aucune compagnie aérienne ne fait du positif vers tout le réseau. Parce que vous avez peut-être un réseau qui peut être négatif ou en développement et progressivement, ça devrait pousser pour contribuer ailleurs. Donc lorsque vous faites la somme de vos revenus et vous essayez de faire la pesée, vous voyez ce que ça peut apporter comme résultat. Et à quand l'ouverture sur Paris? Cameco repose puis à Paris quand? Je savais que je ne pouvais pas sortir d'ici. Bien sûr. Non, il faut avouer que nos compatriotes souffrent. Je suis un pur produit de la diaspora. Les responsabilités qui me pèsent ne peuvent en aucun cas me permettre de dormir si ce problème n'est pas résolu. Donc, je pense à ce titre qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble avec beaucoup de patience pour que nos compatriotes soient soulagés. Parce que le retour à Paris ne doit pas seulement être un enjeu d'atterrir avec un avion Cameco à Paris. Absolument. Nous devons aujourd'hui mettre en place un système de relais qui devrait permettre, au-delà de Paris, d'éclater le trafic, ne serait-ce que vers l'Allemagne, vers les autres pays, la Suisse et partout ailleurs. Et pourquoi seulement Paris? Nous avons dans le plan intégré la desserte de Londres, qui devrait normalement faire du Londres-Douala-Lagos, et les chiffres sont extrêmement intéressants. Nous avons la ligne de Bruxelles qui doit tirer le trafic de Bruxelles via Douala-Kinshasa pour Johannesburg.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de son Excellence, Monsieur le Haut-Commissaire du Cameroun en Afrique du Sud, qui vraiment nous réclame un peu la possibilité, depuis que South African Airways est parti, pour que les échanges économiques puissent vraiment se faire. Lorsqu'on parle de la diaspora, il fallait voir, le dimanche dernier, nous avons reçu la communauté nigériane pour la réouverture de la ligne, mais c'était incroyable. Vous voyez comment est-ce que les nations se rapprochent. Ça doit être le rôle d'une compagnie nationale, au-delà peut-être du côté rentabilité en numéraire et tout. C'est très important parce que la rentabilité indirecte, donc tout ce qu'il y a comme incidence indirecte par rapport à notre industrie est incroyable. Lorsque vous avez aujourd'hui quelqu'un qui part, par exemple, des familles qui se déplacent le week-end pour aller à Bafoussam, si j'avais assez d'équipage, on devrait peut-être opérer 2 à 3 vols par jour, les week-ends, les vendredis et les dimanches, sur les places comme Bafoussam, Bamenda. Vous pouvez imaginer le gain en temps que quelqu'un peut avoir pour aller et revenir, c'est incroyable. Justement, cette réponse me permet de revenir un mot sur la flotte. Quel est le plan, donc, d'acquisition de nouveaux vols, puisque vous envisagez également ouvrir, du moins, desservir d'autres sites? Alors, je pense qu'il faut déjà repartir sur les axes du plan de relance qui a été validé par le chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'on se presse pour faire encore des erreurs. Il y a des préalables. Vous savez que le plan devrait déjà imposer à la direction générale un gros chantier et qui est en train de prendre vraiment, en fait, ça tire à sa fin. C'était d'abord de rattraper la comptabilité de la compagnie. Et nous avons déjà bouclé, c'est en cours, hein, nous sommes en train de boucler sur ce chantier. Le deuxième est beaucoup plus au niveau de la gestion de la dette, des engagements. Il est vrai que les engagements de Camerco pèsent beaucoup plus au niveau, par exemple, local qu'à l'international. Il y a beaucoup d'engagements, mais ça pèse beaucoup plus au niveau local. Donc, quand tout cela sera fait, nous aurons la possibilité maintenant, en valorisant ce que nous avons fait il y a seulement une année, en fait 16 mois, l'acquisition des nouveaux appareils, des 2 appareils. Lorsqu'on va revaloriser tout ça, on sera, je dirais, peut-être en meilleure position pour maintenant prendre des engagements, peut-être à moyen ou à long terme. Nous aurons la capacité de louer des avions, si on veut louer, parce que les avions de dernière génération qui sont utilisés, même si l'État aujourd'hui nous mettra à disposition un Dreamliner, on ne serait pas capable de le voler, parce qu'il y a d'abord une batterie informatique qu'il faut mettre en place et ça prend du temps. Donc, pendant que vous commandez les avions, on aura donc la possibilité d'avoir des avions de dernière génération en location. Ce n'est pas la clientèle qui manque. Ça fait mal de constater aujourd'hui que nous avons des collaborateurs qui payent les billets d'avion en économie entre l'Europe et le Cameroun à près d'un million de francs. Vous vous rendez compte? Et je vous rappelle que la moyenne du billet d'avion entre l'Europe et le Sénégal, entre l'Europe et la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui peut-être de 450 à 500 000. Et au Cameroun, nous sommes autour d'un million, surtout pendant la haute saison. Et les gens n'arrivent pas à avoir la place. Donc vraiment, c'est un problème. Nous devons apaiser. Et cela permet plus d'ouverture. Notre pays devient beaucoup plus accessible. Et maintenant, avec l'interconnectivité que nous avons vers les villes intérieures, il serait plus facile que quelqu'un arrive ici, connecte avec sa famille, va à Bamenda et revient. Et en plus, l'incidence sur nos routes, hein, vous savez très bien que cela permet de réduire les accidents. Aujourd'hui, on a du mal à satisfaire la demande qu'il y a sur les vols, ne serait-ce que Douala-Yaoundé. Justement, par rapport à la satisfaction de la demande, on observe que vous étendez le réseau de desserte, vous réduisez le personnel. Et ces dernières semaines, quand même, certains passagers Camerco se sont plaints de temps en temps, soit des retards, d'annulation de vol, autres. Est-ce qu'il n'y a pas ce décalage-là qui impacte sur le fonctionnement de votre activité? Ok. Déjà, ça me permet de vraiment d'expliquer
un élément. Nous avons eu des perturbations environ peut-être pendant 3 semaines. Depuis une semaine, ça se stabilise. Et ces perturbations étaient, nous avons fait passer un communiqué, les perturbations étaient un peu prévisibles. Tout simplement parce qu'on était dans des phases de révision d'avions. Donc on n'avait pas le même niveau d'équipement. Et aussi, il faut dire que nous sommes dans un environnement où les aléas qui sont exogènes à notre environnement peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Je profite de l'occasion pour demander à nos compatriotes, à nos clients, vraiment, parfois de fournir leur numéro de téléphone, exiger que leur numéro de téléphone soit dans leur dossier, parce que nous avons un système automatique qui envoie des messages. Nous sommes en train de vouloir améliorer par rapport aux modèles qui permettront aux clients d'être informés à temps réel. Maintenant, sur votre smartphone, puisque tout le monde en a, vous aurez la capacité d'aller sur le site de Camerco très vite, savoir, j'ai un vol qui a tel numéro, qui part de tel endroit à tel endroit, est-ce qu'il sera à l'heure et tout. Donc, les perturbations sont plus ou moins cantonnées, parce qu'effectivement, il y avait ce problème où on avait des avions qui rotaient en maintenance. Bon, maintenant, ça, je ne dirais pas que ça ne va plus arriver, mais nous nous efforçons, au fur et à mesure que nous allons avoir d'autres équipements, ça sera beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple. Dans un contexte comme celui du Cameroun, ou dans un environnement où vous avez 7 aéroports qui fonctionnent, lorsque vous regardez les statistiques de 2017 des ADC, le nombre de touchés des avions Camerco est 3 fois plus que la deuxième compagnie. Lorsque vous regardez, par exemple, le nombre de passagers transportés, c'est 2 fois la compagnie qui suit, qui est Air France. Donc, il est important que les gens puissent se rappeler qu'au moment où on arrivait, on faisait en moyenne 6 000 passagers par mois. Aujourd'hui, on a plus de 30 000. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment, progressivement, nous sommes en train de chercher des solutions, sommes en train de les mettre en place et je crois qu'on ne peut qu'améliorer. Ça, c'est notre métier, c'est notre volonté et c'est embêtant que les gens puissent, par exemple, ils sont prévus au niveau des aéroports, ils ne partent pas ainsi de suite et tout. Et puis, il y a des surprises qui, au niveau de l'industrie, plus de pilotes nous pouvons former, mieux ça. Les avions que nous utilisons aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 65% du potentiel. Donc le potentiel équipement n'est pas encore une urgence pour la demande et le réseau que nous avons aujourd'hui. Parlons justement de désagréments. Bon, l'exemple est peut-être marginal, mais je veux dire que l'impact sur l'image de la société a connu... Vous avez été obligé récemment d'exclure un passager ou une passagère de vos vols. Et effectivement, ça a connu, notamment sur les réseaux sociaux, un impact assez désagréable. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cet incident-là? Désagréable, oui, sûrement. Mais il faudrait qu'on ait quand même un certain respect par rapport aux règles de l'industrie. Mmh. L'industrie a ses règles. Lorsque vous achetez un billet d'avion, il y a des règles, il y a un certain niveau d'engagement. Lorsqu'il y a un problème, il y a une démarche. Donc, nous avons pris une décision et qui a suivi son cours en termes d'échange avec les concernés et qui est en train de trouver une solution, qui suit les règles de l'industrie dans ce cas-là. Il est normal que cela passionne les gens. Ça ne m'a pas gêné, évidemment. J'ai appris qu'il y avait des débats assez importants dans les réseaux sociaux. J'avoue que ce qui m'engage au quotidien ne me donne pas assez de temps pour pouvoir aussi m'afficher peut-être dans les réseaux sociaux. J'aurais bien voulu. Malheureusement, on a effectivement ceux qui pouvaient comprendre et ceux qui n'ont pas compris. Ça, c'est des débats pour moi qui permettent à la société peut-être de mieux apprécier le bien que l'État a pu mettre à leur disposition. Donc, voilà ce que je peux effectivement dire. Mais fondamentalement, parce que l'image a été forte, il s'agit d'un siège du Camerco qui a été comme ça ventilé sur les réseaux sociaux. Fondamentalement, est-ce que ce type d'image, on les retrouve dans vos avions? Est-ce que
Il y a des éléments, peut-être défectueux le mot fort, mais inadaptés, inadéquats pour le confort des passagers, à quelque Non, niveau mais que ce soit. attendez, monsieur Tongo, s'il vous plaît, je pense que, honnêtement, lorsque je parle des critères de l'industrie, lorsque vous avez un fauteuil défectueux, moi j'ai eu à voyager, que ce soit Emirates, Air France, First Class et tout, où vous avez un siège qui ne remonte plus, tout simplement parce que c'est bloqué. Hein, vous utilisez le meilleur fauteuil, il est allé en... Bon, il ne remonte plus et tout. Vous appelez un agent, un membre d'équipage, il vous assiste. Sinon, il y a une procédure. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, on vous déplace. Si on ne peut pas vous déplacer parce qu'un vol est plein et tout, il y a d'autres procédures. Dans ce cas précis, nous avons, je viens de dire qu'on a environ 30 000 passagers qui voyagent avec nous tous les mois. Si c'était le cas, mais ce n'est que ces photos qui se baladaient dans, autour. J'ai vu la dernière fois où on montre, en plus c'était la compagnie d'un ami au Sénégal, Transair, on est en train de pousser, hein, parce que l'avion a pris du nez vers un bout de piste, on est en train de pousser, ce qui est une procédure normale. On est allé jusqu'à transformer, mettre, effacer, mettre. Heureusement que finalement, les deux images circulaient en même temps. Donc, nous encourageons, je préfère aller dans ce sens-là, nous encourageons nos clients au respect des règles. S'il y a un problème, on contacte les membres d'équipage qui peuvent apporter une solution. Il faut savoir que les coussins sont même des bouées de sauvetage. C'est fabriqué pour... qui sont amovibles, donc vous pouvez, on peut les enlever, c'est là où il y a le gilet de sauvetage et tout, lorsque par exemple on ne peut pas le récupérer du bas, ou alors lorsqu'il n'est pas fonctionnel. Vous pouvez avoir un téléphone qui glisse à côté et tout, c'est normal, mais je pense que ce problème aujourd'hui est derrière nous, ça fait tabac, comme si je peux me permettre l'expression, nous faisons tabac tous les jours. Je crois que Camerco est devenu... A toujours été. A toujours Vous l'avez été. Dit dès le départ, voilà. C'est la 11e région. C'est la 11e et région. Et les Camerounais tiennent à leurs 10 régions. Voilà. Donc, moi, je veux vous dire, vraiment, ça ne nous pose aucun problème. D'accord. Je crois que l'honneur que nous avons eu, l'honneur que nous avons tous les jours de servir une mission noble pour le Cameroun, nous allons faire ce qui est nécessaire pour améliorer. Alors, vous parlez de l'état, par exemple, des fauteuils et l'état de nos avions, je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'être patient et qu'on utilise la politique de nos moyens. Nous venons de faire entrer un avion en service, aussi pour la première fois, en fonds propres. Alors, imaginez ce que nous pouvons faire à l'intérieur de nos avions. Ça ne nous prend pas du temps. Vous savez, pour remplacer l'intérieur d'un avion, ça ne prend même pas 24 heures. C'est comme si vous allez chez vous, vous enlevez le salon, la moquette et tout, et puis il y a un nouveau salon qui est posé. Je pense que nous ne sommes pas loin de là. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors, on se souvient également que l'autorité aéronautique, la CCA, a conduit un audit chez vous il y a une période assez récente. Alors, à quel niveau de conformité par rapport aux exigences vous trouvez aujourd'hui? Alors, je ne sais pas de quelle époque vous parlez, parce qu'effectivement, déjà, selon notre compréhension du rôle de l'autorité aéronautique, c'est d'accompagner pour que notre industrie fonctionne en toute sécurité, le respect des règles. Nous avons en interne des équipes d'auditeurs internes qui se rassurent déjà au quotidien que nos manuels sont suivis. Nous avons, que ce soit les manuels internes, que ce soit les manuels des fabricants des équipements que nous utilisons. L'industrie est très normée, il n'y a pas de hasard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'entame, je vous ai dit que je me réjouis. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui le nombre de vols déjà opérés par Camerco depuis l'ouverture de cette compagnie, mais c'est incroyable ce que ça devrait prendre. Nous sommes dans un environnement où il y a... que ce soit les précipitations, on a des avions souvent qui, selon la météo, volent ou alors peut-être sont cloués au sol pour éviter les risques. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas un prix au-delà de la sécurité et la sûreté. Donc le rôle que joue l'autorité aéronautique est la bienvenue. À un certain moment, si on est inspecté, s'il faudrait qu'on, s'il y a des écarts, s'il faut les rattraper, mais on est inspecté tous les jours. Même la semaine prochaine, on a une équipe qui vient à Douala. Je crois que les rapports avec l'autorité
l'autorité régule notre industrie et nous nous plions à ces règles. Donc l'autorité a pour rôle d'abord d'orienter, hein, de permettre. Et je pense que c'est dans cette dynamique où nous nous trouvons. Donc à mon avis, il ne se pose aucun problème. Il n'y a pas de souci majeur. Pas du tout. Alors, lors d'un dîner de presse, d'ailleurs à Bonaprison, je vous avais posé la question il y a peut-être un an ou un peu moins ou un peu plus, sur la situation du dirigeant responsable, cette garantie technique qu'on retrouve généralement dans les compagnies aériennes comme la vôtre. En avez-vous aujourd'hui déjà? Oui, il faut... Il y a parfois des débats qui aussi passionnent. L'autorité aéronautique a pour rôle de se rassurer que la compagnie est gérée par des gens qui sont compétents. C'est seulement au Cameroun où je me suis retrouvé face à une situation ou à un débat qui indique que quand on est CEO de la compagnie aérienne, ça veut dire qu'on doit être dirigeant responsable. Pas du tout. Okay. Que ce soit dans certaines compagnies comme peut-être Ethiopian, il y a des responsabilités. Dirigeant responsable devrait être la personne qui engage au premier chef la responsabilité, que ce soit au niveau de la partie fonctionnement technique et tout. Il y a des options où ça peut être porté, tout dépend du schéma qui est présenté. Le schéma que nous avons présenté et serait un schéma où cette responsabilité est divisée entre la direction générale sur le plan de la gestion et sur le plan de la gouvernance et tout, et la partie technique cédée aux responsables des affaires techniques. Donc, et ce processus est en cours. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. C'est le schéma que vous proposez. C'est le schéma, pas que nous proposons, c'est le schéma qui est adapté, aujourd'hui à nos opérations. À la situation de Cameroun. Voilà. Parce que nous sommes en train de développer, comme je l'ai dit, nous sommes en train de développer des centres de profit. Nous sommes en train de vouloir être autonomes en line maintenance. Donc, lorsque vous avez cédé ces éléments, et rappelez-vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit par le passé, ce qui certifie nos avions au décollage, vous pouvez avoir votre avion, vous avez les pilotes, mais il faudrait que quelqu'un certifie. L'équipe qui est là, mais ça nous coûte près de 100 000 euros tous les mois pour que les gens certifient. Du moment où nous sommes en train d'avoir des techniciens qui vont obtenir cette expertise, ça veut dire que nous sommes en train de transformer l'entreprise de manière fondamentale. Et il faudrait que ce côté-là soit développé. Si on a la possibilité aujourd'hui de développer une plateforme de line maintenance, une plateforme avec un pack 145 au Cameroun, mais on va se faire beaucoup d'argent qui pourront même supporter peut-être les charges salariales. Toutes les compagnies qui viennent au Cameroun, il n'y a aucune structure agréée. Toutes les compagnies utilisent des structures ou alors font voyager un mécanicien ou quelqu'un qui est expert dans leur avion. Alors, parlons du nerf de la guerre. Au moment où j'ai entré dans ce studio, j'ai dans mes recherches appris qu'en ce moment, les comptes de Camerco seraient bloqués par l'un des fournisseurs. Confirmation, information? Non, je crois que les difficultés que nous rencontrons avec les fournisseurs sont au quotidien. Plutôt, il faudrait utiliser ce genre d'exemple pour démontrer jusqu'à quel point nous avons géré la compagnie dans une situation très complexe. Et je peux vous garantir qu'au moment où on arrive aux affaires avec les facteurs bloquants, que ce soit les systèmes d'exploitation que nous utilisons, il y avait beaucoup de problèmes. Nous avons pu gérer de façon continue, que ce soit les survols, que ce soit les engagements au niveau du Tchad. Je vous prends un exemple. Si vous ne gérez pas la situation avec le Nigeria ou les engagements au Nigeria, vous ne pouvez pas faire un vol en Afrique de l'Ouest parce qu'on survole l'espace aérien du Nigeria. Donc tous ces engagements, nous les gérons au quotidien. Les difficultés, c'est ça le rôle d'un manager. Un manager a pour rôle de trouver des solutions. On peut avoir des difficultés, mais il faudrait qu'on trouve des solutions. C'est ça notre rôle, c'est pour ça que Absolument. Nous sommes payés. Donc, on peut avoir des difficultés, ça peut être une histoire peut-être d'un jour ou deux jours, il faudrait qu'on trouve les solutions. Dans tous les cas, à l'heure où je suis assis là, en vous parlant, les comptes de Camerco ne sont pas bloqués. Okay. Merci. C'est bon d'avoir ce démenti. Cela dit, quel est le montant de la subvention que vous recevez aujourd'hui exactement? Oh.
Déjà, l'impression qui a été donnée, nous sommes une société d'État. Les sociétés d'État sont assez sensibles pour notre pays. Et chaque société peut peut-être avoir ses difficultés, mais normalement, lorsqu'une société est créée, elle est créée pour pouvoir arriver à un certain niveau d'autonomie. Vous avez par exemple un exemple. La dernière fois, on publiait encore que en Afrique centrale, je crois que l'exemple était la SNH. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas devenir, suivre cet exemple? C'est important en termes de gouvernance, en termes de production de la valeur ajoutée et tout. Mais lorsque nous parlons de subventions, l'État accompagne les sociétés qui sont en difficulté. Ce que je pourrais dire, pendant que nous apprécions tout ce que l'État fait tous les jours, nous ne devons pas nous endormir avec cela. Nous devons essayer tous les jours de faire des efforts qui démontrent à l'État que nous sommes en train de passer à une phase plus autonome. Et je peux me réjouir de dire que depuis le mois de janvier, la Cameco a reçu une fois la subvention de l'État, un seul mois. C'est combien? Ah, je vais me réserver de vous donner le Vous laissez pointeur. le ministre des Parce que, Finances vous en parler. non, 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 pas du tout, mais vous savez quand même que je dois sortir du studio pour rentrer. Bien Certains sûr. vont penser que l'argent est dans ma voiture. Non, tout le monde vous avait dit, désormais les comptes de Cameco sont dans les banques. Vous ne C'est marchez pas ça, avec. c'est ça, c'est ça. Et bon, peut-être on va laisser le montant. Et en termes de masse salariale, en termes de charges, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Vous savez que les charges sont, vous avez les charges qui sont les charges fixes, comme dans toute Absolument, structure, absolument. et dans notre industrie, vous avez beaucoup plus de charges variables. Donc, nous pouvons quand même indiquer aujourd'hui qu'au niveau des revenus, et lorsque nous comparons ces revenus aux charges, nous sommes à un très bon niveau à un très bon niveau. Et nous avons la capacité de gérer tout ce qui est peut-être déficit d'exploitation. Parce que ce déficit d'exploitation, je pense que votre question est liée à celle qui précédait, qui parlait beaucoup plus, par exemple, de la subvention d'équilibre. S'il n'y a pas de subvention d'équilibre, si depuis 6 mois, on a reçu peut-être la subvention d'équilibre pendant peut-être une fois ou deux, je pense que cela devrait indiquer que nous sommes en train progressivement de devenir peut-être un peu plus autonomes. Cela ne devrait pas être un secret. Je crois que lorsque l'État a mis les moyens, je rappelle quand même que lorsque je suis arrivé, j'ai tout à l'heure parlé, peut-être je suis passé dessus très rapidement, mais lorsque l'instruction est donnée d'acquérir les deux avions, les deux 737, mais si cette décision n'avait pas été prise au bon moment, peut-être qu'on ne serait plus opérationnel aujourd'hui. Donc, lorsque l'État prend ce genre de décision, nous devons quand même aussi être responsables de l'autre côté à démontrer que nous pouvons quand même faire mener la vie de Absolument. l'entreprise. Vous avez parlé, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des bureaux. Lorsque les collaborateurs se retrouvent dans un cadre où aujourd'hui ils ont une infirmerie, on est en train de construire une cantine, les salles de formation, l'économat. Et tout ça, ça veut dire que l'entreprise est en train de créer un écosystème qui sera peut-être de plus en Agréable plus pour possible. le cadre, le cadre du travail. Évidemment, en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut avoir une idée en moyenne? Monsieur Tongo, Bon, vous êtes vraiment non, décidé. peut-être pas en chiffres, mais en termes de pourcentage, de progression entre 2016 et aujourd'hui, son évolution, sa courbe. Non, mais c'est quand même connu. Je crois que en tant que compagnie IATA, nous sommes tenus de publier nos Absolument. résultats à mi-parcours et en fin de parcours. Je pense que le rendez-vous sera sûrement pris pendant le mois de juillet pour vous donner les résultats du premier semestre. Mais je voudrais quand même vous garantir que depuis
près de, je crois que c'est peut-être depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de novembre. C'est connu qu'on puisse maintenant, on oscille peut-être à près de 2 milliards de chiffres d'affaires réalisés tous les mois. C'est quand même, parfois on le dépasse, donc c'est déjà un indicateur. Je pense que ça nous permet d'absorber, nous payons notre carburant et tout. L'État continue à nous accompagner dans des points qui sont vraiment beaucoup plus stratégiques pour qu'on se sente beaucoup plus solide. Et nous ne pouvons que dire merci à nos tutelles pour cet accompagnement. Alors nous sommes le 28 juin. Comment voyez-vous la Camerco dans 6 mois? Alors, je crois que le plus facile, c'est de considérer, comme un de mes collaborateurs disait dernièrement, que les 20% qui nous restent à faire vont apporter 80% de succès. Nous avons beaucoup fait, énormément, et nous avons beaucoup sacrifié. Et je voudrais vous rassurer que les employés de Camerco aujourd'hui ont accepté de serrer la ceinture. Ils ont accepté de laisser certaines gratifications, des avantages et tout. Les billets d'avion qui étaient donnés, par exemple, aux membres de la famille, les frères et sœurs, il y a eu beaucoup de sacrifices. Je pense que notre priorité maintenant, c'est d'abord de stabiliser tout ce qui concerne le plan social de la compagnie. Que ce soit l'assurance médicale des employés, que ce soit, par exemple, la régularité au niveau de leur salaire, que ce soit, par exemple, le fait que la société puisse donner espoir aux banquiers de faire confiance aux employés en attendant leur salaire et leurs engagements. C'est ça qui crée de la valeur ajoutée, c'est ça qui permet que quelqu'un achète un terrain, qu'il puisse peut-être prendre un crédit pour construire une maison, ainsi de suite. Donc tant que nous pouvons arriver à ce niveau-là, je suis sûr que les collaborateurs que j'ai aujourd'hui, avec une bonne dose de formation, vous allez voir qu'on va créer quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous pouvons nous comparer aujourd'hui la fierté de Camerco? Vous allez voir que presque entièrement l'équipage de Camerco, c'est les Camerounais, les gens qui pilotent nos avions. Comparé peut-être avec Air Côte d'Ivoire ou avec Askai, nous sommes fiers. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment nourrir. Nous sommes dans un pays bilingue. Nous pouvons aujourd'hui créer des centres qui vont permettre ou alors encourager à ceux qui ont déjà les centres, comme par exemple le centre CAE, de former des gens qui sont bilingues, que ce soit les cabin crew, et qui doivent être recrutés partout ailleurs à travers le monde. Je l'ai fait au Sénégal, je crois qu'il y a près de 150 Sénégalais qui ont été recrutés à Emirates et qui travaillent au siège de Emirates à Dubaï. Donc, c'est important qu'on puisse d'abord, c'est pour moi ça d'abord la valeur. Et justement, quel délai vous êtes-vous donné dans la projection? Je crois dans la projection, nous sommes à une phase qui est très critique. Le mois de juillet est très critique pour Camerco. Donc c'est pour ça que je dis rendez-vous donné lorsque nous allons nous réunir encore, peut-être pour autour d'un déjeuner, pour le rapport à mi-parcours, le premier semestre de 2018. Je suis sûr que nous pourrons vous expliquer à quel niveau nous nous situons par rapport à ces gros chantiers. J'ai parlé par exemple de la comptabilité, les points sur la gouvernance, le déblocage des fonds. Vous savez que le chef de l'État avait ordonné que la Camerco puisse faire recours au marché financier à travers les banques. Il y a des montants d'argent, des sommes d'argent qui avaient été syndiquées par les banques et qui doivent être disponibilisées. Normalement, cela devrait nous faire sortir complètement du joug du ministère des Finances. Mais progressivement, nous cherchons aussi d'autres méthodes que nous avons proposées à l'État et qui sont en cours d'évaluation, qui ont été présentées au Premier ministre et à certains membres du gouvernement, qui vont conduire progressivement la compagnie à une autonomie financière. Donc, la fin de l'année, cette fin de l'année, n'oublions pas un événement très important et le rôle que Camerco devrait jouer avant la CAN 2019. C'est la CAN, c'est une fête. Nous devons célébrer. Nous devons amplifier ce que nous avons fait à Libreville lors de la CAN victorieuse, la précédente. Absolument. Donc, nous nous préparons activement et je pense que... Justement, sur ce point, quelles sont les prévisions en termes de déploiement?
Nous avons une équipe en interne qui travaille déjà, donc on a un comité Cannes qui travaille déjà pour la préparation de ce projet. Nous n'allons pas tout dévoiler maintenant, parce que c'est comme si les Lions Indomptables vous disaient déjà quel sera le classement. Et ce serait peut-être aussi comme si c'est la dernière émission qu'on fera avec vous. Non, on vous reprendra là, d'avant la Cannes, pour nous dire exactement. Je serai disponible à tout moment. C'est une bonne nouvelle. Mais avant la Cannes, il y a la Coupe du Monde. Ouais. Et il me souvient que vous avez organisé une conférence de presse récemment, ouais, pour parler de la billetterie. Ce partenariat que vous aviez à l'époque présenté. Avec Match Hospitality. Exactement. Qu'en est-il aujourd'hui? Je pense que le partenariat avec Match Hospitality et les autres partenaires, donc Mondial Tour, a été effectivement présenté à la presse comme un nouveau schéma qui devait permettre à la communauté locale, que ce soit les Camerounais ou les expatriés qui vivent ici, de pouvoir assister au Mondial. Vous allez peut-être m'excuser parce que je n'ai pas regardé les statistiques par rapport à ce qui a été fait, mais je pense avoir reçu un SMS aujourd'hui d'un aîné qui me disait qu'il est de retour du Mondial. Bon, je ne sais pas s'il est parti par ce cadeva, notamment Joseph Antoine qui serait rentré. Dans tous les cas, il ne faudrait pas... Le Cameroun est une référence. Nous qui avons eu l'opportunité de vivre très longtemps à l'étranger, de parcourir, je dirais peut-être les quatre coins, on a compris que ce soit l'époque de Roger Milla et tout, avait fait pour le Cameroun, les vrais ambassadeurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à la Cannes, à la Coupe du Monde cette année, qu'il fallait croiser les bras et ne pas donner l'opportunité. Je pense que la Camerco est d'abord une structure de voyage, une structure qui organise des événements, et nous devons vraiment démontrer ce côté et la confiance qui peut nous être donnée par des partenaires de taille. Et c'est de tout le mal, évidemment, qu'on vous souhaite. Alors, depuis que vous êtes là, vous avez connu deux ou trois présidents du conseil d'administration, deux, je crois. Vous en êtes au deuxième. Mm-hmm. Ça va, les relations entre la direction générale et le conseil d'administration? Oui, mais écoutez... Vous savez, je me pose toujours la question, dites-moi, pourquoi est-ce que le public devrait s'intéresser à la relation? Est-ce que ce n'est pas le travail des détracteurs? Quel est l'intérêt d'une société? Tout au moins la transparence. La transparence, elle est là. La transparence, on rend compte à l'actionnaire unique de l'entreprise. Qui peut s'interroger sur tous les moyens, qui peut ne pas être satisfait, vraiment. D'où les relations qui vraiment, pourraient... Vraiment pas du tout. Il ne faut pas que il ne faudrait pas que le public nous entraîne à croire qu'un conseil d'administration, c'est un club d'amis. Ce n'est pas un club d'amis. Un conseil d'administration est un cadre qui permet, c'est notre structure qui est responsable de la supervision et de la gouvernance de l'entreprise. Nous nous occupons de la gestion au quotidien. Donc, la vie de l'entreprise est cadrée de cette manière dans notre environnement et partout ailleurs. Je crois que ça ne devrait pas être un débat public. Vraiment, je vais respectueusement me réserver. Je pense que nous avons des instances pour rendre compte. Il y a eu beaucoup de sensationnels autour. Mon premier PCA, le chef de l'État, c'est lui qui décide. Mon premier PCA, on tient toujours des réunions aujourd'hui. On se retrouve, on parle et tout. Vraiment, je pense qu'il faudrait que les gens nous permettent de travailler sereinement. Voilà. Alors, c'est la haute saison, hein, pratiquement. Juin, juillet, août. À quoi pourraient s'attendre les clients de Camerco? Période assez intense, les vacances. Voilà. Nous avons... c'est vrai que depuis qu'on a commencé l'entretien, je n'ai pas mis la casquette du commercial. Bon, mais ça fait aussi partie du métier. Nous avons permis, dans tout le réseau de Camerco... on a permis aux parents de se sentir beaucoup plus à l'aise. Vous savez, la plupart des parents aujourd'hui qui ont le plaisir de voyager avec leurs enfants, ils ont sûrement un enfant qui a l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Absolument. Donc, nous avons poussé l'âge des enfants à 15 ans.
Donc, dans tout le réseau de Camerco aujourd'hui, vous pouvez voyager, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou partout ailleurs, où les enfants de 15 ans payent le tarif enfant. Donc, c'était très important parce que nous avons pensé que les parents, vous pouvez avoir par exemple, je ne sais pas, deux enfants, un à 12 ans, un à 14 ans, et ça pèse. Donc, Absolument. c'était un moyen de permettre. Je crois qu'il y a plusieurs promotions. Il y a les malls. Je pense qu'actuellement, on a remis le programme de fidélité de Camerco. Il y a dans certains, je crois, dans certains marchés où nous avons peut-être des kilos en plus et tout. Mais je pense que aussi, entre les communautés, vous avez suivi sûrement le rapport qui a été publié par la BEAC sur l'incidence de Camerco dans la sous-région. Et nous sommes passés en vol quotidien sur Libreville. Donc maintenant, vous pouvez partir de Libreville, venir à Douala le matin, rentrer le soir. Et donc ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le nouveau programme été. Au niveau national, il y a effectivement progressivement plus de fréquences. Et nous allons tout faire pour essayer de décanter la situation. Mais ça ne se limite pas seulement à ce niveau. Je pense que nos compatriotes qui sont de la diaspora, peuvent s'appuyer par exemple sur notre bureau, au niveau de notre bureau de Paris, pour acheter des billets lorsqu'ils viennent au niveau en vacances. Ça veut dire que lorsqu'ils arrivent, ils peuvent déjà, à partir de Paris, acheter les billets au niveau de l'agence de Camerco pour tous leurs vols et leurs déplacements à l'intérieur du Cameroun. Ça leur facilite la tâche parce qu'ils peuvent prévoir et tout au lieu de le faire à la dernière minute. Mais aussi, il faut encourager les gens à changer d'habitude. Il faudrait que les gens payent leurs billets vraiment en avance. C'est important. Parce qu'au fur et à mesure, on attend à la dernière minute, ça coûte un peu plus Absolument. cher. Et on sait que le ciel camerounais est extrêmement concurrentiel. Comment Cameco se situe-t-elle, la compagnie, dans cet environnement-là? Concurrentiel, vous voulez parler du côté régional, pas domestique. Parce que Oui, pour le je dis moment, oui sur les dessertes que vous. oui, bon, même comme certaines personnes peut-être s'intéressent aussi au volet domestique, surtout à l'approche de la CAN. Mais bon, nous allons tout faire pour essayer de nous Maintenir. maintenir. Par contre, lorsqu'on parle du régional, il y a ceci de particulier dans l'environnement de l'aérien. Il ne faut pas avoir peur de la compétition. Il ne faut vraiment pas avoir peur de la compétition. Je pense que c'est important. Ce qui est l'élément important, c'est le fait de permettre aux gens de bouger. Donc, au fur et à mesure que les gens voyagent, l'Afrique est considérée aujourd'hui comme la première zone de croissance dans le secteur de l'aérien. Et vous allez voir que qu'il y ait Air Côte d'Ivoire, Askai et toutes les autres compagnies, ça ne peut être que positif. Seulement, il faudrait que les gens comprennent quand même que consommer local, consommer camerounais, c'est une très bonne chose. J'ai échangé un peu plus tôt dans l'après-midi avec le délégué du gouvernement et vraiment, je ne sais pas si c'est parce que de formation il est médecin, mais il nous a fait comprendre d'une certaine manière comment il faut éviter de se laisser emporter et entraîner par les autres. Je pense que nous devons tout faire pour que on crée un système économique qui permette à ce que les gens, que ces fonds et que cet argent revienne. Lorsque nous allons reprendre peut-être avec les destinations européennes, ou alors lorsque quelqu'un va en mission en Afrique de l'Ouest, ou peut-être au Gabon et tout, mais il est quand même normal que la personne prenne conscience du fait que nous avons une compagnie nationale, nous avons des familles. Je serais très surpris qu'il y ait quelqu'un à travers notre pays qui n'est pas un membre de la famille ou un cousin éloigné qui travaille à Cameco. Vous posez directement la question. Alors, c'est dans l'air du temps, hein, C'est ça. et je me permets de poser la question. C'est ça. Vous desservez Bamenda? Quand est-ce que vous serez dans le sud-ouest? Ok. Bon, normalement, le plan de redéploiement de la compagnie au niveau national a été préparé sur deux ou trois étapes. Bon, il y a la remise à niveau de certains aéroports, pas seulement peut-être dans le sud. Bon, il y a l'aéroport de Tiko. Bon, il y a aussi, je crois, du côté je pense du côté de Manfé, il y avait une piste à l'époque. Mais si vous regardez, par exemple, aussi du côté de Koutaba,
Il est prévu qu'à un certain moment, nous allons commencer des opérations sur Koutaba. Et c'est incroyable ce que le Cameroun a comme infrastructure aéroportuaire. Je vous assure, le jour où je suis arrivé à Bamenda, avant le vol inaugural, j'étais particulièrement touché. J'ai fait faire la piste en voiture, de bout en bout, que ce soit l'installation météo, le bâtiment de l'aéroport. Et voir qu'après 25 ans ou 26 ans, nous revenons et on fait revivre cet aéroport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous avons, malgré peut-être toutes les difficultés que nous avons et tout ce qui est peut-être dit sur nos efforts, lorsque nous recevons par exemple les appels d'un lamido ou bien du bétail pour dire bon voilà, ou bien de la viande pour dire que vraiment voilà les fêtes, faites quelque chose, merci pour ce que vous faites, c'est très encourageant. Et je pense que au niveau du trafic domestique, nous allons seulement améliorer. Avec plus d'équipage, on sera capable d'aller à Bamenda tous les jours. Ça, c'est l'objectif, ainsi que Bafoussam. Mais par rapport au sud-ouest, je pense que ça sera la deuxième phase, lorsque les aéroports seront réhabilités. Vous êtes beaucoup revenu sur l'équipage. Y a-t-il, comment avez-vous de pilotes à ce jour, commandant de bord et tout ce qui concerne... Oui, actuellement, non, mais il faut faire très attention avec ce genre de statistiques. Nous avons une trentaine de membres d'équipage. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On devrait être minimum à une soixantaine. C'est pas suffisant parce que, comme je vous dis, il y a des moments où nous avons des avions qui arrivent peut-être à 22 heures à Douala. Qu'est-ce qui nous empêche de décoller à 22 heures pour aller à Johannesburg? Rien du tout. Et revenir le matin. L'avion est fait pour être dans les airs. Et plus l'avion vole, moins de problèmes nous devrons avoir en termes de maintenance. Seulement, sur ce nombre, nous avons des équipages qui sont MA-60, maintenant des équipages Q-400 et tout. Donc, il faut que les trois modules soient développés progressivement. Et comme je dis, c'est des investissements qui vont être faits. Il fallait d'abord traverser cette période, mais vraiment en douceur. Vous savez, il n'y a pas plus vite qu'en termes de mode de transport. En dehors des fusées, il n'y a pas plus vite que l'avion. Donc nous, qui sommes du métier, on sait aller vite. Mais il y a des moments où les techniques et la réalité nous rappellent d'être un peu patients. Donc nous allons y arriver et je suis sûr que ça sera apprécié de tout le monde. Et je pense que c'est sur cette note d'espoir que je vous dirai grandement merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. L'épreuve est terminée. L'avion peut atterrir. Merci. C'est déjà atterri. Voilà, monsieur. Merci à vous également d'être resté. On a pris quelques minutes de plus sur le temps habituel. Je pense que c'était nécessaire, doublement nécessaire, parce que je pense que c'est la première fois réellement qu'un SDCOM fait ce bilan, peut-être sur cette chaîne, mais aussi au-delà. 22 mois après son arrivée à la tête de la compagnie nationale aérienne, vous en avez eu un aperçu, à chacun d'en faire un jugement. Mais évidemment, tout le mal qu'on peut souhaiter à Camerco, c'est de définitivement rester dans les airs pour que la 11e province du Cameroun vive. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'Entretien avec.